Coucou tout le monde, donc nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que vous avez déjà peut-être vue, j'en ai fait une avec ma cousine, donc sur les sœurs directionnaires. Et une sur ma chaîne YouTube avec mon frère, donc il s'agit des bonbons Jelly Belly, donc les bonbons Harry Potter. Je fais cette vidéo juste pour vous dire ce que je pense de ces bonbons. Donc on y va. Donc ça c'est la boîte originale des Jelly Belly, donc la marque Harry Potter. Sauf que ces boîtes-là sont plus petites et coûtent un peu plus cher. Donc j'en avais deux, hein, comme vous voyez, celle-là est pas encore finie, tellement que c'est dégueulasse que ça. Il y a des goûts qui sont bons, mais il y a certains comme vomi, poivre noir, comme sur cette boîte-là. Voilà. Ben, tout cela, c'est dégueulasse, quoi. C'est complètement. On peut pas les manger, quoi. C'est impossible d'avaler ça. Et autrement, il y a une boîte qui coûte un peu moins cher. Il y en a un peu plus grosse que la précédente, là, comme vous pouvez voir. C'est aussi les Jelly Belly, hein, sauf que c'est pas la marque Harry Potter, hein, il n'y a rien qui change. À part quelques goûts. Donc, il y a nourriture pour chiens. Pudding au chocolat, noix de coco, lingette pour bébé, poire juteuse, crotte de nez, vomi, pêche, popcorn au beurre, bail bleu, je crois que c'est un truc avec des bonbons, un truc comme ça, et dentifrice, œuf pourri. Ah non, mais l'œuf pourri, c'est le plus dégueulasse que j'ai pu goûter dans ces bonbons-là. Franchement, oh mon dieu. C'est trop dégueulasse. Et il y a le Tutti Frutti. Celui-là, il est vraiment trop, trop bon. Je crois que c'est même le meilleur bonbon qu'il peut avoir dans cette boîte. Et ensuite, il y a Citron Vert. Celui-là aussi, il est trop bon. Gazon tondu. Question, celui-là, on sent pas trop le gazon en fait. Ça va, Bon, il n'est pas bon, mais ça va, c'est un bonbon qu'on peut manger, quoi. Ça va, ça passe. Et chaussettes puantes. Donc ça, c'est comme vomi, œufs pourris, il y a quoi d'autre? Nourriture pour chien. C'est exactement, c'est dégueulasse. Et voilà, totalement immangeable. Donc, ce que j'en pense, ben, c'est très amusant de le faire en... Avec vos amis, avec votre frère, votre soeur, votre famille, etc. C'est très 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 marrant de manger ces bonbons en faisant une vidéo avec votre famille, vos proches, etc. C'est vraiment très très amusant et cette boîte coûte beaucoup moins cher. Donc je crois qu'elle coûte dans les 7 euros, un truc comme ça. Et sauf que les deux boîtes là vont coûter un peu plus cher, je ne sais plus du tout le prix. Mais les deux boîtes là... coûte beaucoup beaucoup plus cher parce que comme vous voyez c'est vraiment la marque Harry Potter, les bonbons qu'ils mangent dans le film Harry Potter, donc c'est pour ça qu'elle coûte un peu plus cher parce que voilà c'est la marque Harry Potter, alors faut payer un peu plus cher, donc voilà quoi, c'est vraiment amusant de faire ça avec vos proches, c'est juste trop marrant surtout que quand vous tombez sur des goûts un peu dégueulasses, mon dieu mon dieu. Bonne chance pour celles ou ceux qui veulent tester ces bonbons. Et donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, des commentaires sur la vidéo. Hein. Et mettre des pouces. J'adore les pouces verts. Je suis accro à ça, même si je suis abonnée, voilà. Et j'espère vraiment aussi qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ça prend juste 2 secondes. Donc vous voyez, vous en avez pas pour 1 heure quoi pour vous abonner. Il y a juste même pas 2 secondes. Donc voilà. Donc je vous dis à samedi prochain et je vous fais de gros bisous. Bye!